C'est quoi que dire? On se retrouve pour une nouvelle vidéo chaque fois pour faire un tuto comment faire des caravanes de forains. Donc, vous savez, moi je suis à fond en ce moment sur les effets de forains et tout. Et du coup, c'est pour ça qu'il va y avoir quelques vidéos un peu dans ce thème là avec gaming et jeux aussi avec Fullpass qui sortiront dans le futur et des courts métrages aussi avec Fullpass. Mais voilà. Bon, après, je vous dis pas plus. Donc, là, on se retrouve pour un tuto comment faire une caravane sur Minecraft. PS4, donc pas fonctionnel malheureusement, mais aménagé et tout, donc on va l'aménager ensemble. Donc voilà. Alors, on va faire un peu ce style là, mais bien sûr, une qui se déplie, une caravane de forain qui se déplie. Oui, il faut bien préciser, donc là on a des manèges pliés, sinon c'est le bug. D'ailleurs, si vous avez vu la vidéo visite de ma fête foraine, bah. Vous verrez quels manèges sont les quels manèges là. Parce qu'ils sont placés au même endroit, donc là, voilà, là, voilà, voilà. Donc ceux qui n'ont pas encore envie la vidéo, n'hésitez pas à aller la voir, ça ferait super plaisir. Donc du coup c'est parti, on va prendre du bacon noir, du bacon blanc, des vitres, des escaliers en quartz, des galdins ici, voilà, galdins ici, et voilà. Ah non, si j'ai oublié un truc, des galgues quartz, voilà. Donc du coup, on va faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, donc comme pour le manège qu'on avait fait il y a 2 jours, donc voilà, 3, enfin voilà, donc vous faites 3 roues de chaque côté, après vous passez par dessus, tac, 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 vous remplissez, donc voilà, après on va faire la même longueur que pour le manège, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ici on va faire, enfin on va lever, donc pour lever c'est très simple, on va faire comme ça, tac, et comme ça, donc 1, 2, 1, et on lève de 1 encore, mais là on va mettre 2, voilà. Du coup, après on va prendre, j'ai oublié de vous dire ça, on va prendre du bacon gris, foncé, et on va le mettre en dessous. Donc on va laisser un écart ici et un écart ici, on met vraiment au milieu. Après, du coup, une fois qu'on a la base de la caravane, si j'ai oublié de prendre une porte, désolé, la porte, voilà. Donc on prend le bacon blanc, on en met là. Donc ici vous voyez, c'est comme ça, vous mettez un bacon blanc là, vous laissez un écart et vous mettez un bacon là. Vous levez de 1, vous remplissez là, et encore de 1, vous passez par-dessus et vous remplissez là. Voilà. Ici, on va mettre des escaliers en quartz. Voilà, pour lever, pour faire comme ça se levait. Voilà. Et ici, après, on va prendre nos galgues quartz et on va faire comme ça. Donc voilà. Après, une fois qu'on a la base ici, voilà, on va aller là, à l'intérieur. Et on va remplir comme ça. Voilà. Et ici. Voilà. Donc ici, on est comme ça. On a la base. Ici, maintenant, on prend nos galgues quartz, on les pose ici, et on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc là, vous mettez bien 3. Après, ici, vous venez ici, vous faites 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà. Et après, ici,
On est là, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, après, on va faire une baie vitrée, donc comme ça. Comme ça. Comme ça. Mince. Voilà. Et après, on remet le béton. Voilà. Comme ça. Ici, vous n'en mettez pas. Parce que dans les vraies caravanes de forains, et bah ça rentre à l'intérieur. Donc voilà. Et ici, du coup, après, ça déborde. Et voilà. Donc dans les vraies caravanes, on fait comme ça. Après, du coup, on va prendre nos galles linguistiques. On va faire. Tac. Tac. Voilà. Et après, on va recouvrir tout là. Linguistique. Voilà. Et voilà. Après, on prend notre béton blanc. On laisse 3 d'écart et on fait comme ça. Hop. Voilà. Et on va dessus. Ici, on va pas laisser vide, donc on rebouche tout. On rebouche totalement tout. Et après, bah, on fait un quoi. Normal, voilà. Et ici on met par contre des galles de quartz. Voilà. Voilà, voilà. Donc bon, l'extérieur est bien que carminé, mais bon, vous savez que dans les vraies fêtes foraines et dans les vraies caravanes, ça peut pas tenir comme ça sans câble. Donc on va prendre des galles dingues ici. On va en mettre deux, comme ça. Alors vous mettez ici un écart là et un écart là, voilà. Et après pareil de l'autre côté, voilà. Après on prend notre galle de quartz et on la pose par dessus. Et voilà, au moins ça tient comme la vraie vie. Et ici on prend une galle d'anglicite et on fait comme ça, voilà. Voilà. Voilà, on fait des escaliers normal. Et puis bah voilà, du coup on a terminé l'extérieur de notre caravane. Après donc on va vite fait l'aménager. Enfin je vous montrerai un peu comment on peut l'aménager. Ici on peut faire un salon. Un petit salon ici. Et là on peut mettre une chambre par exemple. Donc, voilà, ce sera très serré. Donc ici par exemple on met une chaise là, donc elle est accrochée au plafond. Après je vous laisse l'aménager à votre façon, mais on va un peu l'aménager quand même. Voilà, on met un lit là, de la couleur que vous voulez, même moi je mets jaune parce que c'est ma couleur préférée. Voilà. Après on prend le four. On met là, on prend un coffre, tac, le four on met là, le coffre ici, on va prendre un robinet, donc on va prendre un chaudron et un seau d'eau, voilà. Tac, voilà. Et bon, en tout cas les mecs, j'espère que le tuto vous aura plu, c'est Kekwadzel. Ciao, ciao. Et dites-moi en commentaire si elle vous a plu la vidéo, si vous voulez go tuto de fête foraine, dites-moi qu'est-ce que vous voulez comme tuto. En tout cas, c'est Kekwadzel. Ciao, ciao. Abonne-toi, like, partage.